Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour aborder le chapitre suivant, puisque nous avions terminé la dernière fois la question de la gestion des espaces urbains, et nous allons aborder aujourd'hui donc la question de l'étalement urbain. De quoi s'agit-il concrètement? L'étalement urbain, c'est un processus d'élargissement des échelles spatiales et de l'aire de fonctionnement des villes, mais c'est aussi le développement à faible densité au-delà de la desserte des services et des lieux d'emploi. Enfin, il s'agit d'un aménagement de faible densité, souvent résidentiel à la périphérie ou au-delà des limites de la banlieue traditionnelle. En d'autres termes, il s'agit tout simplement de l'extension de la ville. Sauf que cette extension va se faire au-delà de la limite traditionnelle de la ville, dans des espaces qui jusque-là étaient peu desservis par les transports publics, par exemple. Des espaces qui souvent sont urbanisés de manière assez faible, dans le sens où on va non plus trouver de grandes barres d'immeubles ou des quartiers très denses comme on pourrait les trouver au centre-ville, mais souvent un bâtiment plutôt de type résidentiel, de faible densité, donc villa individuelle, par exemple. Donc c'est tout simplement l'élargissement, l'agrandissement progressif des villes. Et c'est un phénomène particulièrement intéressant puisque il touche toutes les villes du monde, comme vous le voyez ici, par exemple, en Californie, avec Eden Prairie, qui est un quartier assez typique justement de l'extension de la ville en dehors des limites de la ville. Ce que vous pouvez aussi voir de manière assez artistique dans la banlieue de Las Vegas, ici assez représentatif justement de cet étalement urbain et cette création de nouveaux quartiers résidentiels au-delà des limites de la ville. Vous pouvez trouver la même chose à Houston, au Texas, ou en Arizona. Quelque chose qui peut paraître de ce point de vue-là, sur cette perspective aérienne, assez intriguant, intéressant en tout cas d'un point de vue architectural, structurel, mais qui soulève quand même la question de l'identité personnelle dans un espace qui est quand même assez dense et assez homogène. Cela dit, l'étalement urbain, c'est, si on résume assez simplement, la dispersion progressive du bâti. La ville qui se dilate encore et toujours. Et le problème, c'est que ça va avoir un impact sur l'emprise au sol. Ça va avoir un impact aussi sur la dispersion des différents éléments et sur le développement des réseaux. Comme l'espace urbain grandit, les bâtiments vont s'éparpiller de plus en plus sur l'espace, sur le territoire. Et il va falloir proposer des alternatives, des adaptations pour faire en sorte justement que ce territoire ne soit pas totalement désuni, désorganisé. Il va falloir essayer de trouver une certaine cohérence. Comment expliquer qu'on soit arrivé à l'étalement urbain? D'un point de vue historique, on parle de dédensification. La signification du mot n'est pas forcément compliquée à saisir. La densification, c'est l'intention d'augmenter la densité d'un lieu en rajoutant des étages, en construisant sur des friches urbaines, en développant certains projets à haute densité, des tours par exemple. La dédensification, c'est l'idée d'arrêter, de stopper cette densification et d'étendre la ville, de lui donner plus d'espace. Et c'est quelque chose qui va se développer dans une première phase durant les Trente Glorieuses, entre 1945 et 1975. Rappelez-vous, nous en avions déjà parlé, cette période particulièrement positive où on sort de la guerre, l'économie reprend fort, l'avenir apparaît comme étant plutôt radieux. C'est durant cette période qu'on aura notamment le baby boom, lié par exemple à mai 68. Et dans ce contexte-là, on va assister à un phénomène de suburbanisation. On va développer la ville, non pas dans la ville elle-même, mais à sa périphérie, à ses limites. On va développer l'habitat urbain au-delà des limites administratives de la ville noyau, de l'agglomération. On va proposer une séparation croissante entre le lieu de travail et le lieu de résidence. Et la question qui se pose, c'est pourquoi? Pourquoi cette option-là? Pourquoi finalement ne pas continuer à privilégier une ville dense, une ville compacte? Tout simplement parce que les surfaces habitables sont limitées. On ne peut pas construire plus que tant à l'intérieur d'un centre-ville. Ajoutez à cela des prix de terrain qui s'envolent parfois, qui flambent littéralement, notamment à proximité du centre. Et donc très forcément, très logiquement, certaines familles vont choisir de s'exiler, de quitter le centre-ville pour s'établir ailleurs, dans des espaces qui coûtent moins cher. Enfin, les grandes entreprises ont des besoins à la fois en superficie et en main-d'œuvre. Donc, toujours plus de gens viennent travailler en ville et ces entreprises ont besoin de toujours plus d'espace, ce qui explique l'extension progressive du territoire. Vous en avez ici une petite représentation. Vous avez la part des bâtiments construits entre 1946 et 1970 pour l'arc lémanique.
Et vous voyez, ici, on parle des bâtiments uniquement destinés à l'habitation. Vous voyez la densité de ces logements. On a des zones qui sont très denses, qui apparaissent en rouge, là où d'autres le seront beaucoup moins. Et c'est cette extension progressive du bâti. Au-delà de Lausanne, s'articule tout un espace urbain connecté à Lausanne, mais qui n'est pas Lausanne à proprement parler. Le processus va se poursuivre avec la dédensification périurbaine à partir des années 70. On assiste à une phase de périurbanisation et de rurbanisation. En d'autres termes, l'extension des zones urbaines, mais aussi le développement de la maison individuelle, souvent éparpillée, et le développement de nouvelles centralités, ludiques, commerciales, économiques par exemple, qui sont souvent articulées au reste du territoire par de grandes infrastructures routières. Et de là naît le développement des flux pendulaires qui permettent de relier le lieu de travail au lieu de vie et qui imposent la voiture comme le modèle de transport prédominant. Si on résume tout ça, vous le voyez, on passe assez rapidement sur ces différents éléments parce que cette idée est quand même une idée très intéressante mais qui peut s'avérer assez complexe. L'idée, c'est tout simplement que l'espace va s'étendre au-delà de la ville, on l'a déjà vu, dans le processus de suburbanisation, c'est-à-dire de création de banlieue. Mais dans une deuxième phase, la banlieue elle-même ne va plus suffire. On va s'étendre au-delà de la banlieue, dans des espaces autour de la ville, ou des espaces qui étaient autrefois ruraux, à dominante campagnarde d'une certaine manière, tout simplement parce qu'on entre dans un nouveau mode de vie, un nouvel idéal, celui de la propriété privée, de la maison individuelle, qui va devenir un objectif, un symbole de réussite. Et donc très logiquement, comme ces nouveaux espaces se créent, se développent, dans des villages, par exemple, on a des nouvelles centralités qui apparaissent parce que cette agglomération à l'extérieur de la ville va attirer du monde, donc va nécessiter des commerces, va nécessiter des services administratifs, par exemple. Donc, l'accroissement, justement, de l'offre dans ces espaces. Et forcément, comme on ne peut pas vivre à la campagne et mettre 3 heures pour venir travailler en ville, on va développer les infrastructures, on va développer les autoroutes, on va développer les transports publics. Et on verra de plus en plus de monde faire l'aller-retour entre son lieu de travail situé en ville et son lieu de résidence qui se trouve à l'extérieur de la ville, notamment par l'utilisation de la voiture. Donc tout ça est relativement logique. Changement des mentalités, donc changement d'urbanisme et évolution de la structure du territoire. Ce que vous voyez ici, entre 1970 et 1990, vous voyez qu'encore une fois, tout commence à s'étendre. On a encore une fois les bâtiments uniquement destinés à l'habitation et vous voyez qu'on est de plus en plus sur du verre, sur des bâtiments à faible densité, de la maison individuelle principalement. Petite parenthèse, on en a déjà parlé un petit peu, je profite de l'occasion pour revenir sur ce chapitre. Quelle différence entre périurbanisation et rurbanisation? La différence, elle est simple, elle se voit par l'ampleur des transformations paysagères. La périurbanisation amène plus de transformations que la rurbanisation. Principe de la rurbanisation, ça va être d'urbaniser des villages. La périurbanisation, c'est encore l'extension de la ville sur des espaces qui n'étaient pas urbanisés. Le poids des populations nouvelles également. La périurbanisation apporte un grand nombre de personnes dans ces nouveaux espaces, alors que la rurbanisation, c'est simplement des villages qui grandissent, mais qui grandissent finalement à partir de quelque chose qui existait déjà. L'impact décisionnel local également. On a un pouvoir qui est différent si vous êtes dans une ville ou dans un village. Donc la réurbanisation concentre les populations qui vont se trouver dans des villages, finalement avec encore assez peu de pouvoir local. Là où la périurbanisation reste intimement liée à la ville, et donc va apporter un pouvoir un peu plus accru. La période d'apparition également est très différente, puisque la périurbanisation débute à partir de 1970, alors que la réurbanisation s'engage plutôt à partir des années 80. Donc si on le résume d'un point de vue graphique, en reprenant un petit peu ces différents termes qu'on a déjà évoqués ensemble, la suburbanisation qui s'opère entre 1949 et 1970 concentre plutôt la population à proximité de la ville-centre, dans une périphérie urbaine proche, avec une continuité clairement établie par rapport au noyau. Donc on est à proximité du centre-ville, on est simplement dans des banlieues qui vont se développer, et donc dans des banlieues à densité élevée. On va avoir un habitat qui se concentre principalement autour de grandes tours, de grandes barres d'immeubles. Une utilisation des transports publics accrue, tout simplement parce qu'on est encore très proche du centre-ville. Et principalement de l'emploi tertiaire au centre, donc des gens qui vont de cette banlieue travailler en ville.
La périurbanisation qui s'opère à partir des années 1970 concerne plutôt la périphérie urbaine. Donc on n'est plus à proximité immédiate du centre-ville. On est dans des espaces qui sont au-delà de la banlieue. Une densité qui cette fois sera faible, tout simplement parce que on ne construit plus des parts d'immeubles. On est principalement sur de l'habitat individuel. Développement de nouvelles centralités parce que forcément, on reste en ville, mais un peu à l'extérieur de la ville. Donc on a besoin de structures, de centres sportifs, de centres de divertissement par exemple, qui sont bien articulés aux infrastructures routières, puisque ça va permettre à l'intégralité de la population de la ville d'en profiter. Et on voit de nombreux emplois secondaires et tertiaires se concentrer dans ces espaces-là. Enfin, la réurbanisation qui se développe à partir des années 1980 concerne principalement les zones rurales, les communes rurales, ces villages qui jusque-là étaient assez marginalisés, qui ne faisaient pas partie de la ville, qui n'en font toujours pas partie, mais qui se développent parce qu'ils voient de plus en plus de monde arriver et se développer, s'installer dans ces espaces. On assiste à une densité faible, voire très faible. On est encore une fois sur de l'habitat individuel, mais souvent un peu plus grand puisqu'on a des espaces qui coûtent moins cher, donc qui permettent la réalisation de certains rêves. On est dans des espaces qui sont aussi réhabilités, rénovés, à partir de l'existant, des anciennes fermes, des anciennes granges qui vont être réhabilitées pour devenir des maisons individuelles, par exemple. On est dans un développement qui se fait souvent de manière un petit peu plus anarchique, tout simplement parce que c'est pas forcément dépendant directement de la ville. Le développement se fait en fonction de la volonté communale, mais qui ne s'attendait pas toujours à cet essor, et donc qui laisse les choses se faire de manière un petit peu anarchique. On n'a aucune entreprise qui s'implante dans ces espaces puisqu'on est dans des villages, pardon. Donc très logiquement, ce n'est pas là que les usines vont venir. On a une croissance globalement faible, tout simplement parce que ça reste des espaces qui sont principalement ruraux. Et c'est des espaces qui sont encore une fois très autonomes par rapport au centre-ville, puisqu'il s'agit de villages qui sont capables de s'autogérer et de vivre de leur côté. Comment donc expliquer que nous en sommes arrivés là? C'est la question des facteurs de l'étalement. Et ça dépend de plusieurs éléments, notamment des comportements résidentiels qui sont influencés par les représentations et les modèles dominants. C'est une question de choix social. On a besoin, avec le développement de la société, d'un lieu de repos qui soit à soi, loin des contraintes de voisinage, proche de la nature. C'est ça le principe de la réurbanisation, de la périurbanisation. On ne veut pas forcément partager son appartement dans un immeuble où nos voisins feront du bruit. On veut pas avoir à parcourir quelques kilomètres pour arriver dans une forêt, pour arriver dans un champ. De plus en plus, le modèle de réussite, c'est d'avoir sa villa individuelle, de vivre mieux, disons, dans de meilleures conditions. Les voisins ne sont pas dans le même bâtiment, donc vous pouvez faire plus de bruit, vous êtes beaucoup plus libre. Vous pouvez sortir de chez vous, aller vous promener, ce que vous pouvez plus difficilement faire en ville. Donc on a un changement des mentalités qui est lié justement à cette essor économique, essor social, le nouveau succès, la nouvelle réussite, c'est de pouvoir avoir sa maison. C'est un peu l'idée du rêve américain. À ça s'ajoute bien évidemment la généralisation de l'automobile et l'augmentation de la vitesse. Tant que les trajets prenaient du temps, il n'y avait pas d'intérêt de s'éloigner de la ville. À partir du moment où l'automobile devient accessible à tous et où on peut parcourir des grandes distances en très peu de temps, il peut devenir intéressant justement de s'éloigner. Travailler à Lausanne, à une époque où la circulation est difficile, prend du temps, ne présente aucun intérêt si on vit à l'extérieur de Lausanne. Aujourd'hui, vous pouvez vivre à Sion et aller travailler à Lausanne tous les matins, tout simplement parce que les transports publics ou la voiture vous le permet, et vous le permet très rapidement, malgré les bouchons, bien évidemment, qui apparaissent. Donc, on n'a pas réduit les distances, mais on a réduit le temps nécessaire pour parcourir ces distances. Et donc, très logiquement, les espaces éloignés deviennent beaucoup plus intéressants. Ajoutez à cela un certain nombre de facteurs fonciers, économiques, institutionnels et fiscaux. On a l'avantage d'accéder à des terrains qui coûtent moins cher et de bénéficier de la ville sans vivre en ville. Donc de bénéficier par exemple de la piscine de la ville ou du centre sportif de la ville sans payer les taxes, sans payer les impôts qui permettent de maintenir ces installations. Donc la vie coûte techniquement, théoriquement, moins cher, tout en présentant plus d'avantages. Et vous le voyez ici, du coup, l'essor, justement, la croissance des différents types de bâtiments, la maison individuelle qui a énormément augmenté au cours des dernières années. Maison à deux logements, trois logements également, on privilégie le plus petit. On a
en vue de son confort personnel. Malheureusement, c'est un cercle vicieux, puisque l'inconfort de la ville va pousser une partie des citadins à se déplacer vers la périphérie. Ce déplacement va provoquer la création de nouvelles infrastructures, pardon, de nouvelles routes, de nouveaux centres commerciaux. Et du coup, cette fuite généralisée va dévaloriser le centre-ville, ce qui va pousser de plus en plus de gens à partir. Et comme les gens s'établissent de plus en plus loin, les infrastructures, les routes, les centres commerciaux continuent à se développer. Du coup, la ville continue à s'étendre. En résumé, l'inconfort encourage le déplacement, mais le déplacement génère une perte d'attractivité et une extension de la ville qui entraîne de plus en plus de monde à partir. De la même manière, les gens fuient les nuisances urbaines. Il y a du bruit, il y a de la pollution. Vivre en ville, c'est pas forcément toujours facile. Donc les gens partent. Mais comme les gens partent, ils vont utiliser leur véhicule. On a l'extension du réseau routier. Et on va avoir l'accroissement des nuisances, puisqu'on aura de plus en plus de mouvements pendulaires. Et qui dit accroissement des nuisances dit accroissement des départs, et donc étalement urbain. De plus en plus de citadins quittent la ville. Cependant, ce qui pourrait venir corriger ce phénomène, c'est l'accroissement des coûts de la mobilité. Voyager, ça coûte cher. Les transports publics, ça peut coûter cher. La voiture peut coûter cher. Et de plus en plus, l'avantage économique a tendance à réduire. Tout simplement parce que justement, comme ça coûte plus cher de voyager, ça vaut peut-être moins la peine d'aller moins loin, d'aller plus loin, pardon. Donc, ce cercle vicieux est en train, d'une certaine manière, d'entraîner un changement des mentalités. D'autant plus qu'à l'époque, si le jardin était un avantage, une réussite, de plus en plus, il apparaît comme une contrainte. Il faut le tondre, il faut s'en occuper. Et comme on est de plus en plus mobile, de plus en plus amené à voyager dans les différentes régions de notre pays, mais aussi à travers le monde, avoir une villa, avoir un ancrage, c'est pas forcément pratique. Avoir un appartement, par exemple, vous permet de résilier votre bail et de partir à tout moment. Donc la mobilité professionnelle s'oppose un petit peu à cet idéal de la maison individuelle. Et du coup, celle-ci apparaît de moins en moins comme une finalité. Voilà, nous arrêtons aujourd'hui pour cette question des facteurs de l'étalement et de l'étalement général. Nous parlerons la prochaine fois de la ville durable et de l'essor justement de la ville dans ce sens de durabilité. D'ici là, je vous souhaite une excellente semaine et comme toujours, je reste à disposition pour toutes vos questions.